Hop là, tu vois que le gratteur fou, direction la machine à sous de casino, du big deal de luxe. Donc on a 11 504. Allez, 4315 la mise, c'est parti. Mister Wild. 100 dépendant, on a eu les 3 cartes. J'avais les yeux rivés sur le Mister Wild, je me disais tiens, mais il aurait pu apparaître en double, triple exemplaire, j'avais même pas capté la troisième carte. Enfin, ça arrive, c'est mes yeux qui bug. Ah, 1050, hop. Plus 100 et quelques, voilà, 157. Bon, ben ça d'entrée, c'est pas mal, mais. Alors 625. Eh ben, sans déconner, 2004 de win d'entrée. Un petit big win sur la dernière peut-être, non. Eh ben, ce sera largement suffisant. Hop. On relance ce jeu, on dirait qu'elle a super mise. Voilà, l'IE Pass doit être une option admin du casino, enable, disable, comme plusieurs options des dispo selon les jeux. Ah, ben, en tout cas, sous le coup de la super mise, super win, on l'aura eu sur les free games. Alors, bonne question, est-ce que ça va redingoler en 500? Est-ce que ça va cramer le bénef? Ah, les Zoukou 102,50. Bah, les mises à 60 balles, c'est l'idéal pour cramer le bénef. Il est quasiment. Bah, ça y est, il est quasiment cramé. Dommage. Dommage encore. Bon, le bénéfice était sympa avec des mises à 40 ou 60 balles. Ça se rebouffe très vite. Alors, le monsieur élégant, s'il pourrait apparaître en triple exemplaire. C'est vrai qu'on pas les rues. Troisième. Non. L'opération baisse un peu les mises. Ah bah joli bénéf d'entrée avant que le bénéf se fasse rebouffer, qu'on reparte un peu dans la loose. De toute façon, 2000 balles de gain avec des mises à 40 balles, c'est pas terrible comme ratio. C'est comme jouer avec des mises à 4 € et gagner 200 balles, on peut très vite les reperdre à coup de 4 € par 4 €. On va quand même réduire à 31,25. Eh ben, sans déconner, d'une machine à une autre, c'est vraiment le principe des vases communicants, si ça gagne, ça perd. Ça prend sur un jeu, ça repère sur l'autre.
Numéro 3, s'il pouvait se manifester. C'est pas rentré. Oh ben là, après le coup de bol dans le début de partie, on se fait des gommes bien comme il faut. Du coup, on va faire ça, 25 balles la mise. Double wild. Un peu de 10 balles sur chaque ligne. Numéro 3, sans déconner, il y est. Est-ce qu'il va nous raquer 2000 balles? Bonne chance, bon courage, des fois ça paye que dalle. Allez, 15 free game. Retrigger, oui, non, oui, non. Double non. Alors, toi, faudrait que tu te montres version 2 ou version 3. Alors 115 de win, ouais c'est pas terrible pour le moment. Et ben non, je crois qu'on n'aura pas eu le droit au gros win à 2000 balles comme les précédents free games gagnant en début de partie. Et on a droit du 3 fois que dalle, 6 free games de restante. Et on n'a pas le joli spin magique qui rack. 200 balles, même pas un x10 par rapport à la mise, super free game. Donc voilà, deux rounds de free game de gagner sur ce jeu, un qui a raqué beaucoup, un qui a payé que dalle. Donc là c'est pareil, si c'est un troisième round de free game, pile ou face, ça paye ou c'est le paquet de cacahuètes. Bon bah là la balance elle a bien dégringolé, bon faute ou haute mise au jeu qui paye rien mais bon. Vous pouvez mettre dans les commentaires bien fait pour toi. C'est clair que de tenter de gagner, ouais c'est. Des fois c'est voilà, hop. Enfin vu que ça marche pas à tous les coups, c'est normal que ça redégringole des fois. Trois chances pour avoir le troisième. Voilà, trois fois pas de chance. Big win, ouais, on esquive le chiffre 7, mais ça va quand même arriver, j'imagine, dans pas trop longtemps. Bon, mis à part les free games, il y a l'option double ou triple joker expansif, et ça pareil, c'est aussi rare que, voire plus rare que d'avoir les 3 scatters. Voilà, le monsieur ici, ça pouvait être rouleau 2, 3 et 4. Bon, ça c'est une fois de temps en temps sur je sais pas combien de centaines de spins joués, voire de milliers de spins joués.
pas ça. Pas ça non plus. Bon, lui a rien à faire, il est tout le temps en solo. Allez, dernier spin. Bon, on avait commencé à 11 500, terminé à 6 900. Donc voilà, quand les jeux payent pas grand chose, le résultat, enfin voilà. On verra pour les prochaines, ce sera la remontée ou la redescente. Bon, ben là, ciao, The Big Deal Deluxe. C'était pas l'idéal comme partie.